Et bon, vraiment. Non, non, une seconde. Wow. Vraiment, c'est un petit peu compliqué pour nous, matin, pour nous arriver et faire contact. Et puis, donc, à chaque fois après les noms, il y a une compliquée situation davantage. Là, on va tenter et faire contact. Donc, voilà, nous avons essayé. Oui, c'est à toi, Richard, bonjour. Oui, bonjour, Dieu. Je voulais dire que c'est une situation extrêmement grave. Parce que là, ouais, par exemple, un pays qui vient d'Aïtassa, un pays a presque ébranlé dans toute nature. Guy Philippe a été élu sénateur de la République. Il sortit recevoir certificat. Et puis, il a dit population, en grand ensemble, merci. Et à sa sortie, il a arrêté. Ce n'est pas extrêmement grave. Je pense qu'il faut que tout Haïtien protéger énergiquement pour façon arrestation, ça a fait là. Parce que c'est quand même grave, vraiment grave. Et ça peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire que je dis, hein, on te met sénateur, on te met député, on te met soyer. C'est que, on est capable, ouais, que, il y a un cas comme ça qui doit arriver. Parce que c'est très grave. Mais c'est la première fois, ça a fait, hein. En dépit de tout, on dit qu'il faut que toutes les mesures soient prises pour que les négociations commencent, pour que Guy Philippe retourne une prétention comme sénateur. Il faut que ce soit cette administration qui l'a avoué, ou la nouvelle administration. Il faut que les démarches commencent, le sénateur, le Parlement dans sa totalité, il faut que normalement, nous fassions preuve d'intelligence. Il y a des démarches qui font, des négociations qui font pour que le sénateur vienne précisément comme sénateur de la République. Parce qu'il a été élu, désigné par le peuple de la Grande. Donc, que ça passe là, non seulement sur le chiffonnier, mais quand même, c'est encore un autre coup pour la Grande. Pour ça, comment dire, Parlement, le salon du Sénat de la République, où vous voyez toutes les portes de négociation. Que ce soit avec les collègues parlementaires américains, parce que c'est la CAIO, qui est et c'est un pour que nous fassions marcher ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Pour que nous jouons à venir rapidement. Je suis capable de faire des semaines et continuer le travail que la population de la nation fait. Mais que quand même, c'est quand même une honte. Où il vient dans une situation comme ça. C'est-à-dire que presque par les personnalités, à qui monde qui a des valeurs, parce que à n'importe quel moment, non seulement on est frappé par l'insécurité dans ce pays, l'insécurité aveugle, mais en même temps tout, c'est qu'à n'importe quel moment, n'importe bagage doit arriver au pays. En profiter pour une population grande en sur, on comprend d'où le a. Comprendre, on peut comprendre. Monsieur frappe ça qui fait sous nous. Mais on a pris au courage. On a pris au courage parce que de toute façon, il va falloir qu'au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, que nous entreprenions tout ce qui est possible pour que le sénateur Philippe soit capable de précisément développer les fonctions dans le Sénat de la République, là, dans le pays. C'est un déchet? Alors? Oui. Et qui ça qui puisse faire nous honte là? Est-ce que c'est le fait que c'est Américain qui vient prendre l'an ou bien c'est le fait que son sénateur élu qu'ils ont arrêté? Et il est élu. Et plusieurs fois, c'est bien des tentatives qui se sont faites du côté de Philippe. Donc son mandat international qu'il a longtemps que BLTS exécuté. Membre du Parlement, c'est à ce moment-là que je pense que
élu. Ça veut dire qu'il est sénateur. Il venait juste de prendre le certificat. Le certificat en main. Et c'est merci. Il est passé dans la radio à Albany. Population qui était votée. Et bien, à ce moment-là, merci de ça. Donc, ça veut dire qu'il était déjà en autorité, mais il a reçu le certificat du CIP, l'organisateur des élections. Donc, le bagage que ça fait, c'est pour voir que nous sommes en péril. Nous sommes en péril. Parce que tout ça, il est obligé de tendre, je t'étonne. C'est le moment que il finit de recevoir pour plier comme sénateur. Et puis, tandis que avant, il était qu'on marchait tout côté pour aller. Mais il dit que c'est décret qui te couvre. Il dit que c'est décret électoral qui te couvre dans le moment. Mais justement, ça veut dire que il te couvre pendant tout le combat là. Et bien justement, puisque qu'on y a là, il est élu. C'est-à-dire que pouvais-tu appeler sur les renforcer. Et bien, dans le moment là, le moment que. Sénateur, on va me poser une question ça pour nous, parce que ma communication. Alors, sénateur Richer? Oui, bon, moi, je demande ça. Est-ce que y a un accord, une sorte de convention qui est signée entre l'État haïtien avec les États-Unis pour que vous ayez droit d'entrer et prendre monde qui a un problème avec la justice et le pays? Si oui, est-ce que pas une possibilité pour que gagner de passer mais qui fait dans un document ça? Puisque ce n'est pas la première fois, Guy Philippe, c'est le premier monde qui n'a pas arrêté, citoyen haïtien qui n'a pas arrêté. Aller à Kyo aux États-Unis, à chaque fois ça fait nous plaignons, mais c'est comme si son accord ou bien son convention qui signe entre nous, entre l'État haïtien et États-Unis, qui n'a pas qu'à changer. Bon, c'est évident que nous apprenons que son gouvernement, M. Brizal, là, c'est bien, nous sommes d'accord comme ça, autorisant que nous. Intervenu de nos pays à pour arrêter la situation que je dis. Et cependant, même parce que, quand j'ai dit tout d'abord, le Sénat a créé les négociations, nous pensons justement à cause à les dénoncer et que, pour que, pas bien, pour encourager les autres dans le pays, cependant, forme d'immigration, ça y est. Que l'État haïtien existe, si quelqu'un se trouve en danger, en difficulté, qui font action, ben c'est à l'État haïtien de l'arrêter. Puis, pour que le gain problème avec l'autre pays, le pays a peu demandé par voie diplomatique, ou extradition. Et cependant, on n'est pas capable de dire automatiquement pour que, à n'importe quel moment, on a une machine dans la rue comme ça, et puis, il y a une soupçon sur vous, et puis, il y a des bâtons, en poteau. Donc, quand même, il vient gênant au pays. Ça fait que je pense qu'au niveau du Parlement, cet accord doit être réalisé, regardé, c'est-à-dire toute plainte qu'il a dans lieu, défavorable et honteux du pays. Ça, c'est à moi de passer. Parce que normalement, nous, au niveau du Parlement, nous mettons les machines en branle rapidement. D'accord. Sans écarter, bien sûr. Est déjà fait. Maintenant, il faut que le Parlement, le gouvernement entreprennent des négociations, de dialogue, pour que normalement, vous soyez capable de tourner une petite sémane comme sénateur et remplir fonction. Merci un pile, sénateur André Skiché. Bonne journée. Merci. Voilà, après aller essayer encore faire contact et malgré la communication pas tellement passé bien avec magistrat oui bon non il veut joindre le député Alfredo Antoine. Allô?
Oui, bonjour, député. Bonjour, M. Gabriel Dussel. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices, édition Nouvelle. Hier, M. auditeur Radio Caraïbe, que hier après-midi, hier soir, bien tard, moi, j'ai fait partie de la délégation parlementaire qui était présidée par le président de la Chambre des députés, que nous allons aller pour constater vraiment l'arrestation de Guy Philippe. Et le sénateur élu du département de la Gardosse. Et constat qu'une dérivée fait, elle est arrivée avec difficulté pour nous rentrer, elle est rentrée dans l'espace-là. Nous avons joint le sénateur Cantave, qui était déjà là, et le sénateur Cantave était parlé avec le sénateur Guy Philippe, mais malheureusement, nous-mêmes, nous battons en well, que Maroneur était déplacé le CPJA pour nous aller. Mais, à quoi que le président Préval, qui t'a bâillé autorisation avec les États-Unis pour le venir prendre quel que soit le monde qui a un problème de drogue ou bien qui commet un crime à base